allons recevoir notre humoriste, Mademoiselle Simpé, qui est revenue. Ah, attention. Ah. Non, je... J'ai fait la remarque au même moment que vous. Non, je voudrais bien que vous descendiez et que vous reveniez pour que nos téléspectateurs voient un peu ce qui s'est passé. C'est la bonne nouvelle. Bon, dis donc. Alors là, non, asseyez-vous doucement. Alors, c'est notre humoriste, il est là pour nous faire rire ce matin, pour nous permettre de démarrer la journée en beauté. Alors, Mademoiselle Simpé, soyez la bienvenue. Comment vous allez? Nous allons très bien. Félicitations, Mademoiselle Simpé. Ma copine, tu sers ça, non? Quand on est enceinte, c'est tout. C'est toujours comme ça. Vraiment. Les femmes, on a dû beaucoup de choses. Là où je suis maintenant, oui. Je ne peux même pas beaucoup parler. C'est parce que vous m'avez appelé, surtout toi, Rock. tu sais, je suis venue juste vous dire quelque chose qui a touché mon poumon. Ah bon? Oui. C'est pas ton cœur? Non, pour cette fois-ci, c'est pas mon cœur. Ah, d'accord. Parce que tu sais, nous, les femmes enceintes, on souffre trop. Ma copine dit, on sait quelque chose là. C'est-à-dire, moi, tu sais, la première dame, c'est mon amie. Oui. C'est ma copine. Ah, oui. D'accord. Et ministre de la Santé, je n'étais pas dans le pays quand on l'a nommé. Ah, c'est un homme, mais c'est une femme. Ah, c'est un homme. C'est un homme. Oui. Oh. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? Maintenant, moi, je suis la représentante de toutes les femmes enceintes du Bénin. Ah bon? Oui, parce que j'étais à l'hôpital. La manière dont on m'a accueilli, ça m'a vraiment touché le poumon directement. Ah, imaginez-vous quelqu'un qui a gardé grossesse pendant des mois et s'est donné à n'importe qui. Pas du tout. Oh, vous les femmes, vous les hommes-là, vous n'êtes pas du tout gentils. Vous voyez, excusez-moi, mon enfant, en train de bouger. Oh, calme-toi, calme-toi. C'est quand je parle beaucoup que lui, c'est ça, mal à l'aise à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais demander à nos sages femmes, vous avez prêté ses mains. Oui. C'est pour vous occuper de nous, non? Oui. Tout à fait. Comme Rock. Oui. Rock a prêté ses mains, il est là, il parle beaucoup à la télé. On dirait perroquet. Quand il veut commencer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes sur le tu as prêté ses mains pour faire ton travail. Les sales femmes, si vous prêtez ses mains pour quelque chose, moi je vous parle en tant qu'une femme. Oui. Et je sais ce que je... Excusez-moi. Ah, je sais ce que je vous dis. Faut pas entrer en travail. Non, c'est parce que... Je vais demander quelque chose aux autorités. Avant d'être sage-femme, on va te consulter. Voici, tu as déjà fait une enfant dans ta vie ou bien un enfant dans ta vie. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a des sages-femmes qui n'ont jamais fait enfant. Mais quand tu es enceinte, tu vas à l'hôpital. C'est en ce moment, ils vont commencer par te dire des crochonneries. Ils vont te dire, est-ce que c'est moi qui t'ai fait dire quelque chose? Quand tu sentais des doux, comment vous appelez? Quand tu jouissais, tu faisais ces trucs-là, est-ce que j'étais là? Maintenant, tu es là, tu es en train de pleurer. Ça a touché mon poumon. J'ai dit, je vais dire ça en direct aujourd'hui. Vous avez raison de vous fâcher. Non, ne vous fâchez pas. Parce que elles ne feront plus ça. Vous êtes sûr? Elles ne feront plus ça. En tout cas, si désormais, elles vont prendre soin de Mademoiselle Simpé. Non, ce n'est pas moi seule, toutes les femmes qui sont enceintes. Oui. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. D'accord. Tomber enceinte, ce n'est pas donné à n'importe qui. Imaginez-vous ce que j'enduis ici maintenant. Oh, celui qui a mis maintenant, lui, il se promène. C'est trop maillot. Il ne sait pas ce que j'en dois ici. Et voilà que son petit est en train de me bouger dans le ventre comme ça. Oui. Après, j'ai dit papa, il ne me reste plus même les maman. Ça veut dire quoi tout ça? Et vous accouchez bientôt quand? Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, je ne suis pas Dieu pour décider si elle est l'éternel qui décide tout. Vous connaissez au moins le thème de votre grossesse, non? Oui, tu sais, ça peut arriver à tout moment parce que vous savez, vous, les hommes,
on parle trop. Et je ne sais pas si je descends maintenant, il va partir, il va sortir, je ne sais pas. Le règne, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Et je suis contente d'être mais ce qui est étrange, mademoiselle Sainte était là hier, mais nous n'avions pas vu la grossesse. Vous n'avez pas bien regardé. Vous trompez du temps. Parce qu'il y a temps, il y a temps ancien et temps nouveau. C'est maintenant, vous prenez tout le temps pour faire les choses. Nous, on fait pas, pas, pas. Et ça fait tout, tout, tout. D'accord. Mais je vais vous dire, je suis comme la première dame et ma copine. Moi, je quitte ici maintenant, je vais la voir. D'accord. Et je vais lui dire, ma copine, si tu me regardes maintenant, ma copine, oui. Tu sais, nous les femmes, nous sommes différentes de tout le monde, de tout le monde dans le monde entier. Tu vas dire à nos sages-femmes, je sais, j'ai confiance en toi, ma copine. Tu sais, tu me vois, je te regarde. Parce qu'en temps, moi aussi, j'étais première dame de l'autre côté. Il n'y a pas de problème, nous sommes des collègues. Merci beaucoup, mademoiselle Saint-Pé. On se retrouve à la fin de cette émission pour rigoler encore. Hein. Vous l'avez constaté, hein. Oui. Elle est maintenant enceinte. Non, je sais ce que les gens pensent à la maison. En tout cas, nous allons participer au baptême de... Il n'y a pas de problème. Moi, je prie pour avoir 6 enfants. Ça veut dire 6 jumeaux. Ah, oui. Ah bon? Il y a combien de gens déjà? Six paires d'enfants. Ce sont des jumeaux qui sont dedans ou bien... Il a dit 12, 6 paires. Okay. Non, il veut 6 paires, mais lui, je ne sais pas combien il y a dedans. Si bien que si ça peut marcher comme je voulais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème. Comment ça va? Ça va. Et chez vous? Ça va très bien. Vous voyez, nous, les femmes enceintes, c'est toujours comme ça. Mm-hmm. Et que des fois... Ça ne nous plaît pas, mais on enfouit les mines. Des fois, ça nous plaît, on sourit. On ne sait pas ce qui fait tout ça. Oui. Et après, quand il va sortir, il va commencer pas à crier sur moi. C'est là que je vais lui faire maman. Parce que tu vois, vous êtes ici, vous êtes en train de travailler. Parce que depuis ma maison, je vous regardais. Vous avez parlé des enfants. Oui. Est-ce que si ton enfant a tel âge, il faut voir comment moi, je suis en train de... Oui. De souffrir, de, hein? Non, c'est que si cette souffrance-là, c'est autre chose. C'est-à-dire, je sens des douleurs. Oui. Faut voir ce qui se passe. Et je vais le faire sortir. Il ne va pas trouver le travail. Je vais jeter mon enfant dehors. Moi. Il trouve travail, il ne trouve pas travail. Il va rester parce que ça demeure toujours mon enfant. Parce que c'est mon nom, il porte tout. Ce que je vais demander aux parents. Oui. Occupez-vous de votre enfant parce que demain, ils vont appeler votre nom. Tu as vu Rock, non? Quand Rock travaille ici, imagine ce que ses parents sont à la maison. Les amis disent, j'ai vu ton enfant à la télé. Et Rock aussi, quand il vient, dit, oui, je travaille à la télé. Je travaille à la télé. Parce que les parents, ils ont pris soin de lui. On t'a mis à l'école. Bien sûr. Et la chance t'a souri. Oui, voilà. Tout le monde n'a pas la chance comme toi. Moi, je prie pour mon enfant. Oui. Mais tu sais, je vais dire quelque chose qui est vraiment sérieux. Oui. Il faut que les hommes, quand vous nous voyez enceintes, prenez soin de nous quand même, parce que ce qu'on endure, ce n'est pas petit. Mais on prend soin de vous, non? Comment? Comment on prend soin de vous? Je suis ici maintenant. Vous voyez comment vous êtes belle? Oui, mais non, mais si c'est la beauté. Il y a aussi des femmes que je veux souligner ça. Il y a des femmes quand elles tombent enceintes seulement, elles se laissent plaisir comme ça. Voilà. Ce n'est pas du tout gentil. Ma copine, est-ce que j'ai menti? Oui, c'est parfois la fatigue. Vous savez, il y a certaines qui sont tellement secouées. Attends, je vais te dire quelque chose, ma copine. Si tu n'as pas l'habitude de t'habiller là, c'est autre chose. Quelqu'un qui n'a pas encore la chose en elle-même, quand elle tombe enceinte, elle profite seulement et puis elle laisse tout plaisir. Ce n'est pas du tout bon. Il faut faire quelque chose quand un homme te voit enceinte. Tu vas dire, mais tu es encore belle. Oui. Il y a des femmes quand les voit enceinte. Comment, mademoiselle, vous êtes tout je suis rayonnante. Non, mais vous savez, c'est inné en moi. Non, mais c'est un don en moi. Donc, nous, quand tu as l'habitude de fréquenter avec les grandes personnes, comme la première dame, comme la première dame de Suisse, comme la première dame américaine, parce que j'ai fait avec.
comment il s'appelle, comment le président là son Joe nom Biden. Non, Joe Biden, non, mais. Trump. Non, avant Barack Trump. Obama. Barack Obama, ma coupe, il dit quoi? Barack Obama. Oui, sa femme. Donc, je l'ai amenée au Bérésil. Ah bon? Elle est venue. Ah elle a bon? Mangé coucou avec Gary. Attends, vous êtes au boulot, vous elle a aimé. Donc, correctement, je ne savais pas que les blancs aiment coucou les congolais. Donc, je vais commencer ce business maintenant. Ah, oui. Je vais aller à Dja et aller voir Sotumé là-bas. Et après, je vais voir si je peux faire quelque chose pour faire un commerce entre Amérique, Bénin, avec coucou Gali pour l'Amérique. Et puis, je vais dire quelque chose. Vous allez m'excuser beaucoup, surtout vous les femmes, vous les hommes là. La manière dont tu me regardes, Rock. Oui. Ma copine, si tu veux, on va appeler la maison pour voir si. Est-ce qu'il arrive à assumer ce que je vois là? En tout cas. Moi, quand je suis dedans, j'ai dit à mon homme, regarde ton bébé en train de pleurer à l'intérieur. Ah. Et tu sais ce qu'il me dit? Il dit, bébé, bouge, je vais voir. Et lui aussi, il doit rester tranquille, il bouge, bon, ça me fait mal. C'est bon. Et ça me fait mal. Et ça me fait mal. Donc, quand je vais demander à tout le monde, c'est-à-dire surtout les hommes, quand vous voyez votre femme, elle est enceinte, même si elle est n'importe quoi, là, prenez soin d'elle parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Les gens cherchent bébé, ils n'ont pas trouvé. Ça, c'est pourquoi, quand moi j'ai pour moi ici, tu me regardes trop là, je te dis, mais qu'est-ce que tu regardes? D'accord. Donc je ne regarde plus ma demande simple. Oui, parce que c'est Dieu. Dieu m'a donné. D'accord. C'est vrai. Et bientôt, quand le jour du baptême, je vais vous inviter. Avec plaisir. Et attends, les grandes personnes seront de la place. Toujours. Si tu ne viens pas, tu manques beaucoup Obama de choses. Sera là. Et ça, c'est normal. Aussi, le président qui est à côté ici, qui nous a fermé les choses là, de Nigeria, là. Sa femme aussi sera là. Ça, donc pour le fort, n'en parlons plus. Oui, fort, sa femme me connaît très bien. C'est ma pire. Mais apparemment, tu as assez de copines. Ah, je ne suis pas n'importe qui, mais je suis n'importe quoi. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, mademoiselle CP, elle est la meilleure de Cro-Magnon. Et voilà, nous allons voir. Le meilleur de Bimari. De Bimari. Non, vous allez danser. Vous voulez faire une dédicace? Une dédicace, peut-être à Cro-Magnon. Très bien. Mademoiselle Cro-Magnon, vous voulez faire une dédicace. Tu as vu mon bébé en train de bouger. Il est en train de bouger. Allez, très bien.